l'ensemble des tuyaux, tout ça, on les appelait gnagnons. Les gnagnons. Les gnagnons, wow. Les gnagnons, oui, les gnagnons, il y a les forgerons, il y a les khalamkat, comme les bambados, wow. Il y a les griots. Si tu formes l'ensemble de tout ça, on les appelle les gnagnons. Comme que des gnagnons là. Voilà. Comme d'ailleurs, de faire dans les gnagnons. Wow. Les forgerons. Comme les cordonniers. Ah, les cordonniers. Ceux qui fabriquent les chaussures là aussi, on les appelle les gnagnons. Donc les artisans. Oui, 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 les artisans. C'est cool. On magasine nos musiciens dans la douce. Bon, on veut savoir c'est où le conservatoire du coin. Vous êtes ici, super. Ça roule la planche, ça va mieux. On a commencé à faire des contacts avec des musiciens. Ça donne une idée? Commencez. On en reparlera, là. Je veux dire, genre dans la vie, imagine ce qui te ferait capoter toi le plus, genre la lenteur improductive au cube. Là. Prends ça, multiplie par le facteur fuzz, fois 25. Ça n'a pas de sens. Fait que juste réfléchir, ça prend 3 jours. Pensez à faire de quoi 2 semaines. Puis finalement, peut-être avoir une confirmation qui va planter de toute façon 1 mois et demi. Mais hier, on a appris qu'aujourd'hui, il y avait un mariage Paul à 35 km d'ici. Fait qu'on y va. Mais ça fait 3 mois qu'on essaie de l'art. Tu comprends-tu, moi, c'est... Tout se passe en 20 secondes ou 6 ans. Un des deux. Il est parti à un mariage Paul, là, qui se trouve à 20 km. Loin, c'est combien? Mais il va revenir dans... aujourd'hui, bientôt. Sinon, le mariage est trop loin pour qu'on aille le voir jouer au mariage, c'est ça? Donc, peut-être que... Je ne suis pas sûr que c'est aujourd'hui. Est-ce que c'était pas hier? Parce qu'elle était partie depuis hier. OK. On ne sait pas si c'est aujourd'hui. Parce que si c'était hier, être... il va revenir aujourd'hui. Ça doit être hier. Hier, à partir de 5 heures. Aujourd'hui, on va pas faire toute la journée. Demain, c'est fini. Demain matin. Donc, s'il retourne, il passe à Linguère. Ça, c'est son frère. Son grand frère. Je l'avais dit hier à Dar. Il a atteint mon bon nom de l'île de voir. C'est bon. Pas le temps.
bon. Fait que c'est là que l'expédition d'aujourd'hui se termine. C'est là qu'on est rendu. C'est bon. Okay. Est-ce qu'il y a moyen que tu tapes l'entrevue? Tu peux-tu taper l'entrevue? OK, c'est pas en direct. Elle m'a dit que c'était l'émission, que je passais à l'émission nationale à 8h AM. Il y a des jeunes de chez nous, de jeunes musiciens de jazz montréalais qui, depuis le 24 mars dernier, vivent toute une expérience. Pierre-Alexandre Tremblay nous parle de leur expérience actuelle en Afrique. Bonjour. Nous sommes à Linger, en plein milieu du Sahel, donc au Sénégal. Linger, ça se veut le chef-lieu de la région, donc c'est vu comme une ville. Absolument pas les villes comme on les conçoit chez nous, mais je dirais que c'est l'équivalent au niveau politique de Rimouski. Donc la grosse ville de la région, si on veut, mais ça reste quand même, c'est pas Montréal, au sens, c'est pas une métropole du tout comme Dakar pourrait l'être. Le projet s'est concrétisé autour d'un échange culturel et la musique, on s'est rendu compte que ça avait. On dit souvent que la musique est universelle. Sans être universel, c'est un langage qui est facilement compréhensible par quelqu'un qui ne parle pas la même langue et qui est dans une culture radicalement différente. Parce que c'est vraiment la plus grande constatation qu'on fait dans le voyage, c'est la radicale différence des cultures. Et c'est pas tant, c'est toute la quotidienneté. C'est spirit. Et voilà, nous avons un authentique pâté chinois. Quand même, la réalité sénégalaise, dans la famille sénégalaise, manger sénégalaisement, vivre, être malade sénégalaisement, tout ce qu'on peut imaginer comme agrément et désagrément dans un milieu qui est radicalement différent. À tous les niveaux, que ce soit la nourriture. Ça s'appelle Robiquette. Non, ne la nomme pas.